plus important. Par ici. Très bien. Ça y est, on va affronter le Nergigante, le dragon ancien qui croque les autres dragons. Arrêtez.
Nergigante, le seul qui était plus motivé que nous pour retrouver le Zora Magdarus. Vous voilà. Et quelle ponctualité. J'aime ça. Attention! Donne tout ce que t'as!
Ça nous faciliterait drôlement la vie d'avoir un camp ici. On se dépêche de finir, qu'ils puissent s'y mettre. Thank you.
Hey! Ah, regarde qui est de retour. Des dragons anciens qui mangent d'autres dragons anciens. Décidément, j'aurais tout vu. Oui. Avant de venir dans le Nouveau Monde, on n'aurait jamais pensé qu'un tel monstre existait. Le Nergigante espérait se taper un bon gueuleton. Et au final, il a complètement chamboulé l'écosystème local. Oui, c'est possible. Vu qu'on a réglé son compte à l'enfant terrible, les autres dragons anciens devraient commencer à se calmer. Hein. C'était du bon boulot. Alors, on peut rentrer. Un problème ? Oui, il manque toujours une pièce du puzzle. Je veux dire, comment cet endroit a-t-il pu accumuler autant d'énergie ? Assez pour attirer les dragons anciens et les forcer à changer d'habitat. Ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, tout le monde est là. Le conseil peut commencer. Vous le savez tous, le Nergigante s'était introduit dans la Terre des Anciens. Comme il se nourrissait des autres dragons, vous imaginez à quel point sa présence les a perturbés. Nous pensions tuer le problème dans l'œuf en éliminant tout simplement le Nergigante. Malheureusement, la situation n'a cessé d'empirer, malgré tous nos efforts. Nous avons trouvé des traces de dragons anciens. Dans la forêt, le désert, et même dans le Val Putride. Pour l'instant, notre équipe a pu déterminer la présence de 3 espèces distinctes de dragons anciens. Et je dis bien, pour l'instant. Nombre d'entre vous ont déjà été confrontés à des dragons anciens dans le Vieux Monde. Et vous savez à quel point ce sont des adversaires redoutables. Mais qu'importe le danger, nous serions stupides de ne pas saisir une telle opportunité. Enfin, il est temps de passer à l'action. Chaque chose en son temps. Tout d'abord, nos équipes sur le terrain récolteront les indices qui nous permettront de localiser les dragons anciens. J'ai décidé de vous séparer en 3 groupes. Tu mèneras les recherches dans la forêt ancienne. Quant à toi, chasseur, tu seras en charge du désert des termites. Pour ce qui est du Val Putride, nous aurons besoin de la 3e flotte. Je vous laisse libre de disposer des différentes équipes sur le terrain. N'oubliez pas de partager les résultats de vos recherches avec les archives écologiques. Tout est clair ? Disposez ! Enfin un peu d'action. Eh ben voilà. Hmm.
À plus. Si les dragons anciens ne se calment pas, il faudra tirer cette affaire au clair. Parez pour la chasse!